On va continuer à garder ensemble à coup, qui j'en saillé, qui j'en caravane avancé dans le sud pays d'Haïti, la cité Chantal. On va prendre direction Maniche, toujours avec Ricardine Desanges et puis Moïse Ubich. Télévision nationale d'Haïti, nous dans le département sud là pour Kenta, nous allons permettre et bon idée de comment se mettre travail qui n'a cap exécuté dans le cadre de caravane changement, comment il a pu avancer. Et là, nous dans la commune Maniche, gens qui sont capables déjà constater le dernier là, qui ensemble de matériel lourd qui travail sur route Maniche, yon mané pour capable permettre que yon fini avec le travail ça qui a commencé depuis quelques semaines dans la commune Maniche dans le cadre de caravane changement. Ensemble, nous allons regarder comment réalité travail ça y est. En même temps, nous avons profité par l'ensemble avec moun qui a utilisé aux zones, moun qui a vivre dans la zone pour nous capable d'avoir une idée de comment yon initiative de travail ça qui a fait dans la commune Maniche. Est-ce que ces routes là qui faites là sont pour un avancement que la vie pour zone Maniche? Oui, on bel développement la vie. C'est pas gain route, pas gain développement. Prendre ça avec route pour jeune développement. L'autre combien de temps on de capre pour sortir Maniche pour venir dans local? Bon mon cher, vous bien dire moi même de qu'on fait trafic sur route là tout à l'époque, de qu'on fait n'importe les machines moins chargées pas gain route, qu'on fait presque 2 heures de temps pour mouver Maniche. Pour me sortir Maniche à local. Mais qu'on y a là, Jean route là commencé un petit peu là. Tant qu'on gain machine ça en privé là, les marche avec là, on fait 20-25 minutes pour mouver local. Dis-nous combien de temps tu qu'on prend là pour sortir Maniche pour entrer dans local? Bon, pour le moment, l'air que moi te qu'on allait sur véhicule PAM, véhicule privé, moi te compte presque pas plus qu'une heure de temps. Mais par rapport au qu'on y a là, bon, dernièrement là, moi je suis au cas directement, m'aller sans m'arrêter dans la route, les me garder me faire environ de 35 minutes. Qu'est-ce que vous pensez que le travail ça qui a fait là, son moyen de développement lié pour la commune Maniche? Son moyen de développement pour la commune Maniche, c'est bien ça. Bon, pour moi, je n'ai pas de problème pour la route là, parce que la route là est en mauvais état. Mais le président prend l'initiative pour le faire, route Maniche. Moi, je suis bien content.
même t'as souhaité pour initiative route ça pas camper la route parce que route là elle pas en bon état route là si tellement impraticable moto pas ca faire machine pas ca faire même t'as souhaité pour président t'as prendre initiative pour t'as penser avec monde dans commune maniche pour que véhicule yo pas fin épuisé à cause route là qui t'as en mauvais état pour t'as prendre initiative pour t'as tout faire planification pour t'as asphalter route là pour nous nous t'as dit merci beaucoup. Je dis à la, combien de temps on est capable de prendre soin de la ville locale pour entrer dans la maniche? Bon, je dis à la, auparavant, pour ta sortie dans la ville locale pour entrer dans la maniche, il faut faire une heure de temps et demi ou bien deux heures de temps. Si la machine n'est pas trois heures de temps. Mais pour nous, là, pour moto, la prendre n'est pas 30 minutes, 35 minutes. Nous disons, président, merci. Mais pour machine, moi, je pense que la prendre n'est pas 45 minutes pour entrer pour nous. J'ai 58 ans pour ma vie, man. C'est là, je me fais, là, je me lève. C'est la mariée, là, me fait neuf petites. C'est l'âme vive. Vous n'avez pas de bol, pas de bon état. Si tout dit, tout dit, tout. Vous n'avez pas de bon, si tout dit, tout dit. Pour le mal, la manie sous taxi, vous la voyez, vous montez, vous descendez. Pas de bon, si tout dit, tout dit. Pour le mal, vous la commencez à améliorer. Nous sommes contents pour le fini net, pour le mal, belle devant nous. Nous avons prouvé qu'il pour nous sentir légers. Commencement hier pour ta localité catastrophe chinoise qu'il dit. N'y a pas 2-3 heures de temps au capable faire sur route là. Mais qu'on y a 15-20 minutes au capable vivre au cas. Si tout soit en motocyclette, n'importe 10 minutes au vivre à l'aise. Est-ce que vous pensez que vous avez fait là ce moyen de développement lié pour l'intérieur? Bon, si nous avons fait plus encore, nous avons dit qu'il y a plus que le développement. Parce que nous avons depuis un côté pas gagné route. Et communication, l'eau, lumière, qu'on est qui on voit développement, pas de fermer net de yo. Mais pour une journée, nous gagnons courant, nous gagnons de l'eau, si nous gagnons retour, ça on bagaille 100% que lié au nom même. Par rapport à, j'ai pouvoir, yo, t'es qu'on passe, t'es blié ma niche, moi, m'a dit que, moi, yon, beaucoup de chapeau pour président Jovenel, excusez, faut me dire bien, président Jovenel, et on capable de dire, depuis ce président Maté, il tout, t'es commencé, ouais, à Maniche et je viens de faire suivi à président Jovenel que nous voyons ça à 100% pour nous même Maniche. Jodi à la nous avons l'autre alternative, nous avons l'autre commune, côté que moun ka vin nous ka vin garder qui ça cap passer Maniche, faire découverte à Maniche parce que nous avons belle couverture végétale et ceci. Nous souhaitons que le gouvernement continue bataille, travail pour que dans l'ensemble avec disons député Bertrand qui a travaillé pour que les ouais qui ça le faire pour circonscription campagne Maniche là. Mais bon courage là, c'est bon côté Maïsa David parce qu'il y a avec bon courage qu'il gagne pas appel pas crainte pour al frapper porte ministère journée jodi à Maniche car moun ka vinn là-dedans. Est-ce que en tant que moun ka vive Maniche ou sent tout satisfait le travail ça? Moi encore satisfait et me satisfait plus que ça, m'a demandé encore gouvernement Jovenel Moïse et avec équipe là qui va monter là poste ministre yo et que pour que yo bataille continue bataille parce que nous gagne encore en pile bagaille, nous besoin lycée, nous besoin l'hôpital, nous pas gagne ça yo, nous pas gagne centre de santé, nous pas gagne rien la section communale yo gagne en pile bagaille qui ta doit faite mais qui pas courir faite mais n'a tant yo nous besoin yo et ceci me dit yo ça tout m'a continuer dire ça et Jovenel Moïse ou gon l'autre 5 ans encore la même. Bon, quand même, c'est un bon travail parce que je me félicite l'État haïtien parce que nous avons besoin de route, nous n'avons pas de cajouine.
Et puis me dit gouvernement merci un peu parce que la bas mon manchoute belle terrain belle activité centre ville bétonné. C'est vraiment apprécié ça. Longtemps combien de temps tu prends là sur moto pour entrer dans ville Kay? Ah bien entendu, quand on prend une heure de temps qu'on aura avec 30 minutes pour aller facilement. Donc vous pensez que ça son travail qui permet que nous ait plus de déplacements qui fait du absolument absolument très facile nous aller face à l'Okaï pas un problème du tout et puis c'est bien ça et me fait ce gouvernement me demande face dans tout pays là nous sommes manich dans tout pays là. Téléspectateurs et téléspectatrices de télévision nationale d'Haïti, vous pouvez suivre ensemble avec nous comment la réalité ville Maniche est même puisque Maniche c'est une parmi 18 communes qui gagnent dans le département sud et pour qu'on y a un travail avant le changement qui a avancé dans la commune Maniche. Sorti depuis la rentrée pour permettre que vous arriviez jusqu'à la ville Maniche, gagne un travail d'ajustement qui a fait sur route pour mener dans la ville et en même temps tout gagne un travail de canalisation qui a fait et bétonnage tout dans la ville Maniche de manière à ce qu'à permettre que des améliorations qui fait dans condition la vie mounio qui a vivre dans la communauté ça et nous profiter d'où parler ensemble avec différents monde qui a vivre ou bien qui sorti dans la commune Maniche pour être capable permettre nous guider de comment réalité Maniche par rapport avec Kounia et Cadine des Anges depuis département sud de télévision nationale d'Haïti. Ça c'est réalité ville Maniche. Nous t'ai gardé comment ça y est pour commune Chantal. Que certainement, on a bien pour nous tourner pour aller dans de l'autre zone. Qu'on ait gagné chantier Carrefour Méridien et zone du 6. Là, tous c'est des zones nous pas capables de négliger. De temps en temps, on a mis des projecteurs sur yo. Ça qui permet ou été connecté ou été informé à tout ça qui a passé. Et finalement, ouais, est-ce que ça dit yo et c'est ça qui a fait sauter projet réalité campérien. J'en étais avant. Et là, je dis, ah, parce que tout, oui, on va dire tout, fin bétonné ou soit asphalté au niveau campérien et là et Kapla mettait sous de l'autre commune de l'autre zone de l'autre localité en d'un département sud PIA pour nous faire le point sur ensemble travail qu'avant déjà réalisé ou soit à réaliser ou bien à bien pour réaliser nous t'ai rencontré pour semaine ça délégué départemental sud là Max Serge Daniel qui pral répondre question collaborateur nous Ricardine des Anges et puis Moïse Wilbridge sur ça qu'a fait cadre de car maintenant dans le département sud pays d'Haïti. Permettre une idée de comment ensemble travailler à peu avancer sous terrain qui est à avancement travail ça oui c'est principal objectif visite tête à tête ça que nous prenons gagner ensemble avec délégué départemental sud-lin qui c'est Max Serge Daniel qui prend le côté pour nous ensemble éléments de précision par rapport avec travail qui a été exécuté dans grand sud-lin par rapport avec différents travail qui avant changement a été exécuté surtout dans le département sud-lin mais surtout il prend les permettre nous ouais qui boyer qui est à avancement travail ça oui. Et dans le délai, vous pensez gagner ensemble de travail qui peut arriver dans le bout. Nous allons inviter au suivant avec nos interviews exclusives que nous avons gagné ensemble avec le délégué Max Serge Daniel, qui est délégué départemental sud du pays d'Haïti. Bon, et merci TNH et pour l'opportunité que nous qui a permis que nous fassions payer en connaît comment le département sud est le matin. Ça. Et si nous commençons avec question travaux que. Tout le monde connaît qu'a fait dans le département sud-lan, soit sur la route méridien du 6, ou du moins sur la route BO pour entrer Chantal, et Ilavache, etc., Maniche. Maintenant, on dit que tout le travail ça a continué. Et là, nous n'avons pas qu'à parler de fin parce que c'est le travail qui peut aller
et qui peut aller au fur et à mesure jusqu'à ce que nous arrivions et côté nous voulons arriver. Et je pense que TNH a bien pour le faire une visite pour montrer aux téléspectateurs comment route méridien y est, je veux dire, qui côté nous sortit et qui côté nous y est actuellement. Et pour question asphalte là, nous avons avancé assez bien. Et pour Ramblay, nous avons mis 31.5 là. Et ceci, toujours dire là, malgré ce samedi, et c'est une sur route là, la paix, nous avons mis 31.5 parce que nous avons un objectif, faut-il bien que nous arrivions jusqu'à le canal du Bois. Et pour Chantal, on a avancé assez bientôt. Pour la avancé et tout ça aussi, c'est deux travaux qui ont fait toujours dans quatre caravanes de changement. Maniche, j'en suis dit là, bon, et où tu es allé déjà, où est que l'ouverture a continué. Et il faut me dire que nous avons vraiment bon pourcentage de quantité de kilomètres que nous avons pour nous faire ouverture sous lui. Et on a avancé, et même si et des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui comprennent que il faut aller à la houlette. Maintenant, on a profité pour nous dire que c'est le travail qu'on a fait avec Trésor public. Ce n'est pas de travail qui gagne une date limite. L'année, ça veut dire qu'il commence, qui gagne 6 mois, qui gagne 1 an pour le faire. Ça veut dire c'est au fur et à mesure qu'on a avancé. Et Mani Changé nous dit là, et béton et lit. Qui finit dans deux rues que nous avons pour nous terminer. Nous terminons avec deux rues. Et actuellement, il y a quatre niveaux et belle rentrée ville qui a continué pour qu'il continue la troisième phase béton. Et Jean-Well, à partir de pont que vous traversez, l'offre qui était en point pour monter camper sur route nationale numéro 7, là. Et c'est objectif là. Objectif président, c'est permettre que les connecter toute commune interne. Maniche considère comme une commune qui à l'intérieur. Maintenant, route ça, après elle vient rencontrer avec route nationale numéro 7, là. Et pour mon cap garder, qui pas connaît effectivement route nationale numéro 7, là, c'est route qui sortit au Kai, qui pour aller Jérémie. Maintenant, Maniche pour connecter avec elle, et c'est asphalte capsulé. Maintenant, grand côté, et selon ingénieur, grand côté que il y a un ravine qui compte descendre. Maintenant, l'eau fait route là, on va pouvoir que le canal qui a fait sous l'air, il a monté le pivot. Il a monté le pivot parce que l'espace ça, il va permettre que le monte le pivot et l'espace ça pour lutter avec la question de l'eau. Et l'ingénieur dit qu'il a mis le béton dans l'espace côté et ravine qui compte descendre. Maintenant, son route qui va l'asphalter, il va jusqu'à centre-ville de Maniche. Il y a un travail de canalisation qui avancé et après de 80% pour terminer. Gagné et premier revêtement qui fait et c'est ça nous relève 31.5 là dans la gare créole là mon qu'on relève le 040 c'est ça qui commence à faire sur route Chantal là. Et maintenant pour connecter Chantal avec l'entrée qui c'est la place, maintenant on va prendre que la place les mêmes les bétonnages qui fait arriver jusqu'à Adoke qui va jusqu'à Adoke et pour entrer dans centre ville là, maintenant un bétonnage ça. Et j'en ai dit là, il était fonti campé parce que mon premier tranche coblan qui est censé fin écouler, maintenant film qui a fait là, a fait rapport pour permettre que des deuxième tranche coblan qui permettent que et lui-même y arriver dans l'objectif final là. Maintenant, ni route et côté vos bénéficiaires, c'est asphalte capsulé. Et bon, ma tour lancé ça, et je pense que le président de la République là, a pu regarder TNH tout. Et hier, et mai Saint-François d'Assise, tu as fêté 75e anniversaire. J'ai tout profité pendant que tu es jeune, moi-même, sénateur, c'est d'abord pour faire une demande. Et non seulement on a fait route pour te demander pour que nous-mêmes, tout font un coup de pelle pour nous arriver route là, couvent Wado et Béo que nous connaissons et pour la communauté Saint-François d'Assise qui sa Béo représente pour eux. Je pense que j'aime te promettre les hommes tout profiter de ça pour me dire ça parce que Méo fait demande là et nous allons travailler pour que nous aménager espace Béo pour permettre que Méo capable de circuler en bonne et due forme. J'aime dire là et oui, il y a un nouveau gouvernement mais toujours avec même ministre de la République là et il y a un ensemble de routes qui étaient notées. Et son objectif que le président a instruction déjà. Premier travail que nous avons fait, nous avons connecté toute communauté. Cela veut dire que nous sommes sortis, nous faisons Campéré, nous sortis Maniche, nous faisons Saint-Jean, et nous faisons Chantal du Sistan, nous faisons Anniquet. Et après Anniquet, tout de suite, nous allons descendre sur la route et la côte là pour aller permettre que les gens la côte au même temps aller en souffle. Saint-Jean et Jean Violent gagnaient une bonne quantité. Et quatre niveaux qui fait déjà, ça veut dire route la grande partie qui prend pour mettre 31.5. Mais on connaît que
te gagné une petite difficulté, pas une grosse difficulté parce que payroll CNE a pas de fait, ça t'est venu ralenti parce que tu étais supposé en même temps que tu as mis 31,5 sous Méridien, tu étais gagné tout pour y mettre 31,5 sous Saint-Jean. Mais avec Eti, ou campé ça qui t'a gagné pendant une ou bien bon une à deux semaines maintenant qu'on y a payé la fête et c'est ça que fait du travail il y a continué et maintenant c'est sûr et à partir de semaine prochaine on va commencer à mettre 31,5 sous route sous espace qui est déjà prêt pour prendre et 31,5 et une fois que on mettait 31,5 on mettait l'huile il a commencé à asphalter. Bon nous pas dit que nous atteignons parce que et besoin département sud là c'est un livre. Et mais nous faisons plusieurs chapitres là dans les gens. Ça veut dire n'a pas avancé. L'homme dit son livre, ça veut dire le nous caravane n'a pas venu, c'était pour 3 mois. Et c'était 1er juillet jusqu'au 30 septembre. Maintenant, par rapport à quantité de travail que le président, après visite que nous avons fait, il était rendu compte que 3 mois pas suffi pour que nous te fait ça de gain pour nous faire dans le sud. Et c'est dans ce sens ça qu'elle t'a décrété que caravane dans le sud jusqu'à ce que les mêmes les quittent pour moi. Moi je pense que nous travaillons, j'aime dire, il y a un pile bagaille pour nous faire et son gros livre dans le département, nous fait chapitre par chapitre jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre l'objectif. Mais il faut me dire que et pour aujourd'hui, hein, c'est pas pour nous vanter tête nous, mais dans le sud, nous dit que nous-mêmes, nous marchons à grands pas par rapport à l'objectif que caravane a gagné.